Bonjour à tous. Voici les mouvements que nous allons apprendre durant ce cours. La licorne explore la voie. La licorne est un animal légendaire de bon augure dans la mythologie chinoise. Explore la voie fait référence au piquage de l'éventail vers l'avant. Bien, je vous montre ce mouvement. À partir du moment où on descend l'éventail et on le ferme. En même temps, on recule le pied gauche. Puis on ouvre le bras gauche, on tourne le corps et on pique avec l'éventail devant. On est alors en position de l'arc. Je le refais une fois en me tournant vers vous pour vous montrer le mouvement de face. Après avoir descendu l'éventail, on recule, on tourne le corps et on pique avec l'éventail. On termine en position de l'arc. La rotation du corps et le piquage de l'éventail sont simultanés. Allez-y avec moi, la licorne explore la voie. Présent, voyons la danse des manches de la fée. Ici, les positions et mouvements sont gracieux et légers comme une fée mythique de la Chine antique. Allons-y ensemble. D'abord, on doit s'orienter dans la bonne direction. L'éventail dans la main droite, on recule le poids du corps et on fait tourner les bras dans une position du style danse des manches longues. Puis on avance et les bras tournent encore. On fait un autre tour vers le haut à droite, puis on ramène à gauche. Faites-le avec moi. Je change de direction. Après le piquage, on décrit une courbe vers la gauche, une fois, puis vers la droite. Pendant la courbe, on avance. On lève l'éventail et on le ramène à gauche. Faites-le avec moi, la danse des manches de la fée. Le kung-fu de l'éventail est un sport qui se prête bien à la démonstration. Il peut aider les jeunes à augmenter leur confiance en eux, stimuler leur intérêt pour l'activité physique et exprimer leur passion pour le sport et leur vitalité. De plus, dans l'enseignement du kung-fu de l'éventail, on est amené à s'associer avec des personnes que l'on connaît ou non. Ceci favorise les jeunes à entretenir des rapports amicaux et améliore leur capacité de communication et leur adaptation à la société. L'envolée de l'hirondeau mime l'oisillon qui vient d'apprendre à voler et qui s'élève dans les airs. Bien, voyons ce mouvement ensemble. On avance, puis on lève la jambe droite et on saute. Lors du saut, on ouvre l'éventail vers le bas et la main gauche se place au-dessus de la tête. On tourne le corps et on regarde en arrière. Maintenant, on enchaîne une fois. On avance, on saute et on ouvre l'éventail. Dans ce mouvement avec le saut, les pas doivent être sveltes et l'ensemble coordonné. Faites-le avec moi, l'envolée de l'hirondeau. Dans le folklore chinois, il existe la merveilleuse histoire de Niulang et Zhenyu. Zhenyu est une fée vivant dans les cieux et sachant coudre. Nous allons imiter sa posture. Voyons ce mouvement ensemble. Allez-y avec moi. On ferme l'éventail, puis on avance. Ensuite, on ouvre les bras, puis on avance rapidement en position pieds joints, puis on pique avec l'éventail.
Je refais un enchaînement depuis le mouvement précédent. Faites-le avec moi, genu, enfile l'aiguille. Maintenant, pratiquons ensemble les mouvements de secours. Le jeu de Go, à l'instar du kung-fu de l'éventail, intègre aussi les principes du yin-yang. Sur le goban, les pierres noires et blanches représentent respectivement le yin et le yang. Chaque coup au jeu de Go, comme chaque technique de la forme de l'éventail, renferme la notion d'attaque et de défense. Ils sont fondamentalement un entraînement aux techniques d'attaque et de défense. Maintenant, pratiquons ensemble les mouvements de secours. Voyons les points clés de la licorne explore la voie. Lors de la rotation du corps, le mouvement doit être naturel et coordonné. La position de l'arc doit être bien stable. Faisons ce mouvement ensemble. Après avoir descendu l'éventail, on recule, on tourne le corps, puis on pique en avant. Pratiquez avec moi, la licorne explore la voie. À présent, voyons les points clés de la danse des manches de la fée. Lors de ce mouvement, l'éventail dans la main droite, on décrit des cercles avec les bras. Les mouvements des mains et du corps doivent être bien coordonnés et synchronisés. Regardez-moi faire une fois. Pratiquez avec moi la danse des manches de la fée. Voyons les points clés de l'envolée de l'hirondo. Lors de son exécution, l'ouverture de l'éventail, le saut et l'ouverture des bras sont simultanés. Je vous le refais encore une fois. Après le pas en avant, on lève la jambe en sautant. Droite et on ouvre l'éventail. On refait une fois. On avance. On saute et on ouvre l'éventail. Dans ce mouvement avec le saut, les pas doivent être sveltes et l'ensemble coordonné. Pratiquez avec moi l'envolée de l'hirondo. Chenu enfile l'aiguille. On avance et on ferme l'éventail. Puis on tourne le corps, on avance et on pique avec l'éventail. Répète-le une fois avec moi en entier. À partir du mouvement précédent, on ferme l'éventail, on avance et on pique. L'ensemble du mouvement, dont l'ouverture de l'éventail, sa fermeture, la rotation du corps et le pas en avant, doit être coordonné. Pratiquez avec moi, genu enfile l'aiguille.
pratiquer l'enchaînement des mouvements avec moi. Sur la scène du théâtre traditionnel chinois, le Situ, l'éventail joue de nombreux rôles comme celui de changer l'espace-temps ou l'atmosphère, de transmettre des informations ou de refléter un certain aspect visuel. Différents types de personnages utilisent des éventails différents. Les plus fréquents sont les ronds, en plumes et pliables, ces derniers étant les plus répandus. Dans l'opéra de Pékin, l'éventail est apparu avec les personnages Sheng et Chou au turban carré pour exprimer leurs caractéristiques. Les Sheng sont des lettrés cultivés, éduqués et simples. Ils sont généralement le personnage masculin principal dans les histoires d'amour. Les Chou sont également cultivés mais un peu pédants. Sur scène, les servantes utilisent souvent les éventails ronds dont la forme bien ronde symbolise la réunion et la satisfaction. Dans d'autres opéras, les jeunes femmes de familles riches ou les fées célestes utilisent aussi ces éventails ronds. À travers ces apparats et leur utilisation, elles montrent ainsi leur intelligence et leur innocence. Regardez la troisième partie de la forme de Kung Fu de l'éventail du style Kaiyuan. On se retrouve au prochain cours.